Alors pour le couvercle, j'ai commencé par raboter en bois de bout une ligne bien droite. Ensuite, j'ai aligné cette ligne bien droite ici. De l'autre côté, j'ai passé un petit coup de couteau à marquer. Et j'ai raboté progressivement le bois de bout. Des deux côtés où j'ai du bois de bout, ici, je suis parfaitement à niveau à cette extrémité-là. Parfaitement à niveau à cette extrémité-là. Donc il ne me restera plus que les deux côtés qui sont dans le fil, une fois que le couvercle sera en place. Finalement, je viens de changer d'avis. Le côté qui sera sur le dessus, c'est celui-là, parce que je le trouve plus joli. Et parce que de l'autre côté, il y a quelques petits traits de vermoulu qui, en rabotant et en nettoyant, sont apparus. Et accessoirement, c'est aussi celui que j'ai réussi à avoir de plus plat, pour que ce soit bien jointif sur la face avant de la boîte. Bon, et maintenant, on va préparer le fond. Donc, j'ai pris trois morceaux de bois que je vais positionner, je ne sais pas encore comment. Donc, j'ai fait une face de référence et les deux côtés. Pourquoi j'ai fait les deux côtés? Parce qu'on se contrefout en fait qu'ils soient parallèles, vu qu'on va les assembler ensemble et ensuite on redécoupera. Il ne reste plus qu'à les mettre à l'épaisseur. Ce que je vais faire maintenant, dès que j'aurai choisi comment est-ce que je les assemble. Alors je les ai mis à l'épaisseur et j'ai poncé et j'ai choisi dans quel sens je voulais les mettre et ce sera comme ça. Donc j'ai poncé au milieu un petit peu plus pour faire un petit trou pour qu'avec le collage ça se resserre. Et maintenant on va coller. Donc par sécurité je mets des mouchoirs pour pas que le panneau colle avec la plaque de support. On va en coller les trois lignes. On va commencer à serrer les serre-joints pour qu'ils soient maintenus. Et ensuite on va venir avec chaque extrémité du panneau. On va mettre une plaque là. Et on va serrer des serre-joints ici, là, là et là. Comme ça le panneau il restera bien plat. Ok ? Et donc je vais utiliser mon autre pot de colle qui est lui un peu plus rapide. Oh là là. J'en profite pour nettoyer les traces de colle avec de l'eau chaude. Ouais, et ben on les grattera après. Hein. Bon, ben pendant que ça sèche, on va aller casser une petite graine. À toutes. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est la chute de ce que je viens de coller comme panneau. Donc, les fibres du bois, elles sont comme ça. Hein. Et on est juste collé sur la tranche à plat. Donc, on voit qu'on a une certaine élasticité dans le bois. Ok. Mais que mine de rien, bah, ça tient quand même pas mal. Hein. Et pour info, j'ai collé ça, il y a, je crois, il y a 2 heures. Et là, je viens de forcer pour le casser. C'était fait exprès. On voit que c'est le bois qui a cassé à côté de la colle. Là, on voit bien le bois de droite, le bois de gauche et la partie d'interface collée, elle est restée solide. Donc voilà pourquoi je dis que la colle, c'est bien. Et bien à nouveau, on va tout laisser sécher. Et puis ensuite, on finira de raboter les bords du dessous pour qu'ils soient parfaitement
À fleurs. Alors j'ai raboté la première extrémité du plateau du fond. J'ai affûté mon rabot au moins 4 fois pour avoir une surface de finition qui soit vraiment pas mal. Mais par contre c'est quand même vraiment difficile parce que dans le sapin, la partie qui est sombre elle est dure et la partie qui est claire elle est super molle. Donc c'est assez facile en fait d'enlever des petits morceaux par arrachement si le rabot il coupe pas bien quoi. Donc c'est pour ça que je comprends qu'il y en a qui disent que le sapin c'est pas un super bois super agréable à travailler parce que le grain est quand même vachement écarté. Et dès qu'on tape dans la partie claire, eh ben c'est un peu galère si t'as pas un truc qui est parfaitement affûté nickel quoi. Enfin, là ça allait. Donc pour une toute première boîte, franchement, je vais pas faire le difficile. Donc on va continuer tranquillement.